un cow-boy. Hey, cow-boy! Hey, Nathalie's in the kitchen. Yeah, come on in my house to eat, manger chili con carne. Oh, chili con carne, I love it. Allez, yeah. Come on. Rock and roll. Qu'est-ce qu'un chili? Pourquoi un chili? Qu'est-ce qu'un chili? Eh bien, je dirais qu'un chili con carne, un bon chili con carne, dépend un peu de ses épices. Donc, il faut y mettre du cumin, de la cannelle et du chili, évidemment. L'autre fois, j'ai fait un chili, j'avais pas mis de chili. Ça n'est plus un chili, hein. Voilà, on commence par les oignons. Vous faites blondir les oignons émincés avec les épices, c'est-à-dire le cumin, le chili, le poivre de Cayenne et de la cannelle aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Quand les oignons ont blondi, vous rajoutez le bœuf haché, n'oubliez pas l'ail. Vous rajoutez aussi un petit piment bien épépiné pour qu'il ne soit pas trop fort, coupé en fines lamelles, et le concentré de tomate. Et là, je vais rajouter la tomate tout de suite. Là, je vais y mettre un demi-poivron rouge, pas plus, parce qu'il ne faut pas que ça goûte trop le poivron. Maintenant, on va laisser mijoter, mais je vais le mettre sur une plus petite flamme. Et ça doit mijoter pendant une heure. Et dans une heure, on rajoute les beans, les haricots rouges. Donc là, maintenant, on va laisser mijoter ça pendant une dernière demi-heure, pendant que je prépare mon guacamole. Mais pour ça, j'ai besoin de mon cow-boy. Cowboy! Ah! Et voilà! Hello! Hello, ça va? Tu cuisines avec ta guitare? Toujours, ouais. Toujours, ouais, la guitare, ouais, c'est. C'est le nouveau concept, quoi. C'est une excroissance de toi-même, en fait. C'est parce que j'ai pas de tablier. D'accord. Tu vois, comme ça, je me dis, je peux. Alors, Marc, on va faire le guacamole. Qu'est-ce que tu penses? Tu vois, tu fais comme attends, ça. Attends, je vais le faire, je vais le faire. Oui? Oui, ok. Bien. Allez, mais moi pas, je fais. Tu vas pas te salir les mains. Non, non. Littéralement. Ouais. Non, moi je vais m'occuper du piment et de la tomate. Ouais. Je crois. Que ce plat m'a été inspiré par un spectacle que tu as mis en scène. Ah, j'ai fait ça? Oui. Ah, ouais. Ça s'appelle Solon. Ah oui, oui, c'est juste. Pendant que tu vides le dernier avocat. Exactement. Je vais y plonger mes petits dés de tomates. J'ai une demi-tomate suffit. Ah oui. Et un demi-piment suffit. Écrasons à la fourchette. Pas du tout au mixeur, hein, parce qu'il faut que ce soit grossièrement écrasé. C'est ça. C'est un spectacle quand même fort visuel. Vous ne vous êtes pas foulé au niveau du texte? Non, avant tout. On s'est dit, le théâtre, ça parle, ça parle, ça parle. On a eu envie de, que ça parle physiquement, avant tout, tu vois. D'accord. Et de travailler sur les plans du cinéma oui. Hollywoodien, du Western Spaghetti. Donc on a des changements de plans, on a l'impression d'être au-dessus de la scène. Ouais. Des choses comme ça, oui. Et quoi, et vos références, c'est Enrico Morricone. Enrico Morricone, c'est ça. ensuite, nous avons Oncle Benz. Et... C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Attends, je vais voir si le... Mais à mon avis, c'est prêt. Waouh. Moi, je dis qu'une chose, c'est waouh. On dresse? On dresse. Il ne reste plus que quelques secondes, alors il faut... Dressons. Soyons fous. Donc, il y aura le duo guacamole avec un petit peu de nachos. Magnifique. Et le duo chili con carne avec un petit peu de riz. Regarde ce que je vais faire. Et évidemment, du cheddar. Hein. Ça, c'est obligé. Mmh. Bon. Pas bon, hein? C'est une explosion de saveur, ça, c'est. Hein? C'est gourmand. Gourmand. Ouais. Et il y a du craquant. Du croquant. Du craquant. Du craquant croquant. Comment ils disent du croquant craquant? Du craquant croquant. Oui, c'est que du bonheur, en fait. Tu nous donnes les dates de Solon? Bien sûr, donc les dates c'est du 4 au 21 mai 2011, donc c'est maintenant, à 20h30, du mercredi au samedi. Et ce sera que du bonheur aussi. Clairement. Marc. Nathalie. Bière mexicaine. Hein? Et bon appétit. Bon appétit. Tu viens d'où exactement du Mexique? De la province de du Hainaut, orientale, dirait l'autre.
Écoute, tu devrais ouvrir un restaurant, en fait. Hein? De toujours. Je pense. Mmh. Et puis j'oublie. Just for me. Mon amour. C'est très gourmand. Il y a du croquant. Ça, je vais vous le dire 10 fois pendant l'émission. Ça m'énerve. Je ne supporte pas. C'est les nouvelles émissions de télé-réalité qui de cuisine. Ils disent tout le temps c'est gourmand. C'est insupportable. C'est comme à l'époque de la Star Academy où ils disaient toujours c'est que du bonheur. Moi, il y a quelqu'un qui ose me dire « c'est que du bonheur, c'est un coup de boule ». Mais tout de suite, quoi, sans réfléchir.